Bonjour mes champions, bonjour mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Grâce Femme et Fashion Milliardaire. Aujourd'hui, on va couper encore une très belle robe pour ma cliente. Donc, je vais vous montrer premièrement la robe sur ma cliente. Regardez comment c'est joli sur elle. Elle est très contente. Moi aussi, je suis très contente. Donc, regardez comment c'est beau. Elle danse, elle fait ce faro. Donc, moi aussi, je suis très contente. Maintenant, let's go! Maintenant, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer d'abord notre patron. J'ai déjà mes lignes. Donc, vous voyez aujourd'hui, la cliente, la poitrine de la cliente, c'est 50 inches. C'est XL ou bientôt XL. Yeah. Donc, c'est 50 inches. 50 inches, là, ça fait 121 cm. Et l'épaule de ma cliente, c'est 16 inches divisé par 2, ça fait 8 inches en centimètres, ça fait 20 centimètres. Donc c'est ça. Donc j'ai mes lignes de base. Donc tu dois connaître toutes les lignes là, ligne de la mâchure, ligne de poitrine, ligne la longueur de pince, la longueur de sous-poitrine, la longueur de taille et la longueur, là où va s'arrêter notre roue avant de compléter. Maintenant, on a toutes ces lignes-là. Je dis, si tu es débutant, tu dois connaître toutes les lignes-là parce que tu as besoin de ça pour travailler, ok? Donc maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer sur la ligne de pince. La ligne de pince-là, c'est la longueur. Comment on trouve ça? Tu places mettre sur l'épaule de ta cliente et tu ramènes ça, le bout, là où il y a le bout de les seins là. Tu vas t'arrêter là-bas. Donc, ça, c'est la longueur de la pince. Maintenant, la largeur de la pince, c'est écartement. Entre nos seins là, l'écartement qui est là-bas, là, ça, c'est ce qu'on appelle l'écartement des seins. C'est la largeur des seins. C'est ça que tu vas diviser par deux. Et c'est ça que tu vas prendre pour tracer cette ligne que je suis en train de tracer. OK? Avec le temps, ça va venir. Donc, sur la ligne de sous-poitrine, tu vas sortir 2 inches parce que la poitrine de ma cliente, c'est 50 inches, ce qui fait 121 cm. Donc, tu vas sortir là-bas 2 inches. 2 inches, là, ça fait à peu près 5 cm. Et tu places règle là comme ça et tu vas tracer. Les gens qui cherchent les règles, là, si tu es aux États-Unis, là, tu rends contact avec moi, je vais t'envoyer le lien, tu vas aller acheter. Mais pour le moment, les gens qui sont en Afrique là, je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour que ça arrive chez vous, ok? Donc ça doit arriver d'abord au Togo, parce que je suis une Togolaise. Ça doit arriver d'abord au Togo avant de partager ça. Donc vous voyez, je ne suis pas encore prête à cause de ça. Donc désolé pour tout le monde qui cherchait ça, ok? Mais donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de l'encolure, on va mesurer 4 inches. 4 inches là, ça fait 10 cm. Et tu vas mesurer ça. Il y a 4 inches. Aujourd'hui, on a changé. Avant, on faisait ça 3 inches, 3,5. Mais aujourd'hui, on va faire ça 4 inches. Après, on va descendre notre épaule comme on a l'habitude de faire. Si tu es la nouvelle ici, bienvenue. Bienvenue parmi nous. Ici, nous sommes là pour développer notre talent en couture. Si tu aimes la couture, abonne-toi et partage mes vidéos. Like! On est en train de grandir. Je suis très content. Je vous dis merci parce que c'est grâce à vous. Yeah! Hier, j'ai vu ça. On est à 15 000 quelque chose. Non, 16 000 quelque chose abonnés. Je me suis dit, quoi? Ça, c'est Dieu. Et je vais dire merci à vous aussi. C'est grâce à vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu ouvre votre esprit à bien travailler, à aimer ce que vous êtes en train de faire. Aimez ça. Si tu aimes quelque chose là, tu vas avancer dedans. Tu prends tout ton temps et tu fais sacrifice pour que tout ce que tu fais réussisse. Ça doit réussir aussi au nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a descendu 6 inches. Yeah, parce que ma cliente m'avait dit qu'elle ne veut pas que ici soit ouvrir beaucoup pour elle, pour que les seins se fait voir qu'elle ne veut pas ça. Donc, vous avez déjà vu ça sur elle. Donc, c'est ça. Maintenant, j'avais fait ça comme ça, mais je me suis dit, je vais encore changer.
En couture, c'est comme ça. Si tu fais et tu vois que ce n'est pas bon, ma soeur, ma chérie, ma petite soeur, grande soeur, il faut refaire. Tu es libre. Il faut refaire jusqu'à obtenir ce que tu veux. Ne sois pas pressée. Et si tu es pressée, là, tu peux faire des mauvaises choses. Si tu vois que ce n'est pas bon, là, il faut encore refait. Vous voyez, on avait mesuré ça 4 inches. Maintenant, je me suis dit, c'est trop petit pour elle. On a encore augmenté un, ce qui fait 5 inches. 5 inches là, ça fait à peu près 12,5 cm. Maintenant, on va plus utiliser première ligne là. On va utiliser deuxième là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? On va tracer pince au niveau de la mâchure. C'est ce que je suis en train de faire. Mais avant de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer bien notre mâchure. C'est ce que je suis en train de faire. Tu cherches milieu, tu rentres demi et tu vas tracer. Comme c'est devant là, c'est comme ça. Mais pour le derrière, tu n'as pas besoin de faire tout ça là, ok? Ok. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Après ça, tu prends les mesures. Tour de poitrine divisé par 4, plus couture, plus les remboursements des pinces. Tour de taille ou bien là où va s'arrêter, haut avant de compléter, divisé par 4, plus pinces, plus couture. Tu vas faire tout ça là et tu vas tracer la mâchure. Ok? C'est comme ça. J'espère que tout le monde va très bien. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu nous a encore fait grâce aujourd'hui. Donc, nous sommes fin d'année comme ça. Prenez soin de vous. Ok? Prenez soin de vous. Restez en prière. Restez en prière. Priez. Ne sois pas paresseux en prière. Il faut prier. Toi-même, tu sais, pendant les fêtes d'année comme ça, là, c'est très dangereux. Donc, prie. Prie pour toi et tes enfants, ton mari, tout. Ta famille aussi. Dieu va te bénir. Maintenant, on a tout fini. On va retracer notre mâchure. OK. Les gens qui veulent me contacter, là, écrivez-moi sur mon Instagram. Grâce fait mes fâchis. OK. Les gens qui demandent formation, là, pour le moment, je n'ai pas encore commencé, mais je vais commencer dans un peu de temps. Parce que vous êtes nombreux maintenant. On va voir comment on va commencer ça. OK. Donc, merci pour la confiance. Merci aussi à vous. Je vous aime très fort. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Prenez soin de vous. Et on va rentrer ensemble dans 2025 par la grâce de Dieu. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour les pinces là, tu peux balancer ça au niveau de la mâchure. Tu peux balancer ça au niveau de l'épaule. Ça, c'est option, ce que tu veux. On a déjà fait tout ça là-dedans. Ce que tu veux, tu peux choisir. Mais quand tu choisis l'épaule, n'oublie pas de rembourser. Mais si tu choisis la mâchure, il n'y a pas de souci pour ça. Regardez comment je suis en train de faire. Et fais la même chose. Essaye ça. Ça, c'est tour de poitrine 50 in, ce qui fait 121 cm. Là, c'est un peu les 2XL ou bien XL. Il y a 2XL ou bien XL. C'est ça. Donc, après, j'ai descendu 2,5 inches. Et après, j'ai tracé 3 inches. 3 inches là. Ça fait 7,5 cm. Et 2,5 inches là. Ça fait à peu près 6 et demi, quelque chose comme ça, centimètres. Ok, donc après il faut arranger, il faut bien bien faire ça, et puis bim. Aimez ce que vous faites, la couture là, c'est bon, c'est un bon métier. Moi j'aime ça. C'est à cause de ça que j'aime porter les tenues, j'aime porter les habits. Seulement que ici il fait, maintenant l'été est presque terminé, donc nous sommes en hiver. On est en train de rentrer en hiver comme ça, mais pas totalement, un peu, mais c'est un peu froid pour le moment. Mais je porte quand même, pour aller à l'église, si tu veux aller déposer les enfants. Mais quand tu portes, tu dois encore couvrir. C'est ça qui fatigue. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc ça, c'est derrière, c'est très facile. Pour couper derrière, là, c'est très, très, très facile. Très facile. Donc, comme on a
fait pour le devant, c'est il y a pour le derrière, c'est un peu juste petit différent, mais regardez ce que je suis en train de faire et faites la même chose, ok? C'est ça. Maintenant, ça, c'est la patron qu'on a coupée. J'aime pas cousu ça avec vous. L'autre fois, j'avais fait une vidéo comme ça et j'ai dit, j'aime pas cousu avec vous. J'ai déjà cousu ça hors caméra. Il y a une de mes abonnées qui a dit, oh, pourquoi tu as fait ça? Désolé, c'est temps là. Pardonnez. C'est temps. Ah! Maintenant, vous savez, je suis devenue la lionne. C'est mon nom maintenant, la lionne. Parce que c'est pas facile, hein? Fais ça, fais ça, fais ça. C'est pas facile, toi seule. Si c'est en Afrique maintenant, tu vas avoir les gens qui vont t'aider. Ici aux États-Unis, là, est-ce que qui peut t'aider? Tu as l'argent de payer? Ha! Tu peux payer? Non! Donc, on se débrouille. Donc, maintenant, je me nomme la lionne. La lionne. Ok, maintenant, on va créer les pinces comme on l'a fait pour devant. On va faire aussi pour derrière. On va créer les pinces. Et on prend les mesures, on rembourse les mesures plus valeur de couture. On fait tout ça là. Et bim, c'est fini. Ok? Donc c'est ça que je suis en train de faire. Abonnez-vous, abonnez-vous. Si tu es la nouvelle ici, pardon, abonne-toi. Ok, abonne. Il y a les bonnes choses qui arrivent encore. Il y a les bonnes choses. Donc abonnez-vous, partagez mes vidéos, likez. 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 Vous voyez, j'avais fait ça là, je me suis dit que c'est trop monté et j'ai encore redescend un peu. Donc regardez comment je vais retracer ça, ok? Donc c'est ça, c'est à cause de ça que je dis, si tu fais, tu vois que c'est pas bon, il n'y a pas de souci. Ne dis pas, oh non, j'ai déjà fait ça comme ça, je vais couper. Non ma soeur, non ma soeur, non ma soeur, non 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 non, il faut refaire, il faut refaire. Ça ne coûte rien. C'est ça qui va te permettre de bien travailler, de faire les choses bien, bien, très bien, très propre, ok? Donc, vous voyez, pour derrière, je vous ai dit, on n'a pas besoin de rentrer, de faire sortir, non, 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 parce qu'il n'y a pas les seins. À cause des seins de devant, qu'on a l'habitude de faire tous les tralala, mais ici, là, non. Donc, vous voyez, ça, c'est là où je vais placer fermeture. Donc, maintenant, c'est presque terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper. Ok? Donc, c'est ça. Merci de regarder la vidéo. J'ai cousu tout ça là hors caméra. Mais je vais. Ces deux tenues que j'ai fait à ma cliente, elle a dit qu'elle a aimé la robe, première robe. Donc, elle a commandé deux. Donc, c'est la première. Vous avez vu la première. Deuxième aussi va venir. Vous allez voir ça. Ok? Donc, c'est ça. Partage ça à tes soeurs qui aiment la couture. Partagez, partagez. Ne garde ça pour toi seul. Non. Si tu connais tes soeurs ou bien tu connais tes amis qui aiment la couture, pardon, partage la vidéo pour elles. Ça va l'aider. Comme ça t'aide aussi là. Ça va l'aider. Donc, il faut partager. Ne garde ça. Ne garde pas ça pour toi seul. Non, il faut partager. La personne qui partage là, Dieu bénit. Dieu bénit. Donc c'est ça. Donc vous voyez, on a presque terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On veut faire notre petit design. Donc pour faire design de devant, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas refermer la pince. C'est comme s'il n'y a pas pince. On a déjà coupé ça avec pince, non? Maintenant, tu vas couvrir pince là. Comme tu vois, j'ai fait ça là sur l'écran là. Tu vas couvrir ça. Et c'est comme ça, tu vas couper ça. Donc, les pinces là, c'est comme on a déjà cousu ça. Ok? Donc, essaye ça, c'est très joli. Essaye ça. Donc, essaye ça aussi chez vous. Et donnez-moi aussi les résultats, je veux voir. Si vous avez les pages TikTok, Instagram, allez vous abonner sur ma chaîne Instagram, TikTok, ok? TikTok, c'est Grace Femme Fashion. Et Instagram aussi, c'est Grace Femme Fashion. Facebook aussi, c'est la même chose, ok? Donc, c'est ça, c'est ça. Je viens de créer un autre TikTok maintenant. C'est là-bas que je vais porter mes habits. Parce que l'autre page-là, je vais garder ça comme. Je vais faire les tutos là-bas dans notre patois. Mais je vais diriger les gens beaucoup vers ici. Parce que là-bas, les vidéos doivent un peu courir. C'est pas comme sur YouTube. YouTube, là, tu es libre de faire 10 minutes, 20 minutes, 15 minutes. Mais sur TikTok, ça s'arrête à 10 minutes. Okay? Donc, vous voyez, tu places, mettre comme ça. Tu mesures en bas là-bas 2,5 inches. Ce qui fait à peu près
de 5,5 cm et tu vas tracer ici jusqu'à là-bas et tu vas couper ça. Donc ça c'est notre petit dessin et on va refaire un autre encore. Je vais vous montrer comment je vais faire l'autre là. Donc merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous, partagez mes vidéos, likez et on se voit dans une autre vidéo. Donc je vais vous dire, si tu es une femme et tu vois que tu n'aimes pas ton teint, tu vois que ton teint n'est pas bon, j'ai des produits qui vont t'aider. J'ai des produits. Tu vois que tes cheveux ne sont pas bons. Il y a les produits que tu vas boire, ça va t'aider. Tes cheveux, tes ongles et même tes skin. On dit skin chez nous, c'est peau, la peau. La peau, ça va t'aider. Donc, écris-moi. Donc, vous voyez, après, on va séparer là-bas petit petit et on va aller couper tout ça là sur notre pagne et je vais aller couper ça hors caméra. Merci de regarder encore la vidéo. Merci. Donc, je dis, si tu as un enfant qui ne mange pas bien, rentre dans mon inbox, écris-moi sur mon Instagram, Grace Femme Fashion. Si ton enfant ne mange pas bien, il y a les produits que tu vas acheter pour lui. Si toi-même, tu ne manges pas bien ou bien les règles, ça, tes règles sont arrêtées, il y a trop de douleurs dans ton corps, ça chauffe. Il y a les petites problème des femmes comme ça là, écrivez-moi. Ou bien dans ton foyer, toi, quand tu es au lit avec ton mari, ça ne va pas bien, tu n'es pas satisfait, écris-moi. Tout ça là, c'est maladie. Il y a les produits pour ça. Donc vous voyez, c'est comme ça va se présenter et je vais couper tout ça là, je vais aller couper ça hors caméra et bim, on va voir sur notre cliente. OK? Merci encore, merci encore, merci. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et on se dit dans une autre vidéo. Ciao, ciao! Donc, maintenant, ma cliente va encore venir. Tu vas voir ça, comment la deuxième aussi est sur elle. Elle est très contente. Ok. Bye bye. Bisous.